Hey, yep tout le monde, yep yep yep, j'espère que vous allez bien tranquillement. On se retrouve sur Creativerse. Creativerse, c'est pas Creativerse, c'est comment? Comment c'est le nom? Captive. Ah bah oui, voilà, c'est Captive, c'est nettement mieux. Bon alors, excusez-moi pour le temps qu'il y aura entre les épisodes, ça fait quand même assez longtemps, ça doit faire 5 jours actuellement, que je n'ai pas lancé une seule vidéo en plus. Beaucoup de pas de problème, mais plutôt de choses à faire de mon côté. Donc du coup, les vidéos sont en mode stand-by un petit peu. Voilà. Donc, j'en étais où moi dans tout ça? J'en étais que je devais descendre, récupérer, j'espère, du coal. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Surtout ça, non. Donc, par ici, normalement, on ne devait avoir des mobs. Cependant, il va faire nuit. Ah, déjà, on a dû faire. Voilà. Alors, tu vois, par contre, je ne vois quasiment pas du tout. Donc, on va se faire déjà du fer. On va cuire notre fer plutôt. Comme ça, être tranquille. Alors, c'est bien le soir, la nuit, qu'en fait, on ne voit que dalle dans le souterrain. Hein, même dehors, on n'y voit que dalle. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, là, on va hop, écarter un peu plus. Donc, la moitié. Voilà. Ici tranquillement, donc ici ce coffre-là, bah du coup on pourrait le récupérer. On s'en fout pour l'instant parce qu'on verra ça plus tard. Salut le cochon. Comment t'es passé le cochon d'ailleurs? À moins qu'il est venu de l'extérieur. Ouais, c'est possible. Donc voilà. Hop. Donc on va se faire une petite pioche. Hop. Ah, y a pas une grade? Ah oui, non, il faudrait tuer une vache. Et j'ai pas envie de la tuer, la vache. Par contre, se faire une épée en fer, ça, je dis pas non, par contre. Parce que en bas, je pense qu'on va avoir des mobs. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir une sword. Voilà, ça je peux le mettre là-dedans. Par contre, je voudrais bien obtenir des torches. Ça te dit pas de... Ah, de pousser, voilà. Ah, j'allais dire, j'ai frisé, j'ai craché, non. Par contre, la poule ne crève pas. Ça serait con. Ça serait con de crever. Alors, comme ça, j'ai au moins des torches. Ça va être un bonheur d'avoir des torches en dessous. Hop, voilà. Hop là. Ah, ça va être un bonheur. Ça va être un bonheur de pouvoir torcher en bas. Et voir un petit peu ce qu'on a en dessous en fait. Hop. Bon voilà, c'est déjà pas mal. On va descendre. On va voir ce qu'on a dans les profondeurs. Donc le gamma en fait, il est bien réglé sur 5 pour ma part. Mais en fait, c'est tout simplement un mode qui fait que on ne voit rien dès qu'il fait nuit. Donc c'est tout à fait normal. Ah, ça c'est cool, c'est du dance. Dance floor. Et du charbon. Ah bah finalement, il fallait que je creuse un petit peu plus pour obtenir ce qu'il faut. Mais bon, on ne pouvait pas tout savoir non plus, donc du coup c'est plutôt pas mal. On a du dance ici. Ah, c'est quand même cool d'avoir d'avoir ce qu'il faut.
vais descendre un petit peu plus par là, tiens. Oh, salut. Oh. Bonjour. Ouh là 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 là. Ah, salut. Oui, Monster Killer. Eh, je vais crever, moi. Bouffon. Voilà. Comme ça, on a une... Putain, on n'a pas de saturation avec ça. Oh, genre... Genre, j'arrive à tous les killer. Putain, j'ai une épée d'enfer. Lol. Ça, je vais juste couper l'eau. Voilà. Ah, une zombie arme. Connais pas du tout. Salut. Alors, on a du charbon, on a un petit peu de tout. Voilà. On va clore un petit peu tout ça. Voilà. Magnifique. Donc du coup, on vient de là-haut. Voilà. Ouais, comme ça, je le fais avec le miner, ça va beaucoup plus vite. Donc du coup, il y avait énormément de mobs, mais beaucoup. Magnifique. Et là-bas, on ne voit que dalle. Bon, bah c'est cool au moins. Du coup, on va pouvoir descendre plus facilement. Ah, c'est bien d'avoir du fer, tiens. C'est bien le Void Miner, là. L'Excavator, plutôt. C'est du coup, ça me permet de bien miner où qu'il faut. Bah, surtout d'un coup. Ah. Bonjour. Alors, toi, t'as un zombie bizarroïde. Tu fais peur quand même. Tu fais vachement peur. Alors pourquoi je n'ai pas un son d'enfer pour les mobs hostiles? Ah ouais. Ah, bizarrement, il y a plus de mobs. Bon. Non mais va te faire foutre. Le truc qui sonne pour me dire Free, bonjour. Voulez-vous revenir chez nous? Non. Non, 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 non. Je suis bien chez Bouygues. Donc, YOLO. Paf, 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 paf. Bon, hop. Voilà. Bon, en tout cas, il y a du mob en dessous. Je vais y aller par ici. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Aller voir ce que ça donne par ici. Sans doute j'aurai un accès beaucoup plus convaincant. Ah, de l'or. Alors évitez de faire ça quand même parce que avec les mobs qu'il peut y avoir en face. Bonjour. Putain, l'attaque de merde qu'il y a quand même. Ah, t'es cacheux. Y a un spawner ou quoi?
C'est quoi ce mob? Hop. Aïe. Oh. Ouais, bah j'ai bien fait de me reculer. Salut. Ah, nous avons du lapis, nous avons de l'or, nous avons tout ce qu'il faut. C'est quoi ça? Arme. Oh! Ah, c'est comme, c'est considéré comme une arme. Ok. Zombie brain. Bon, je vais me faire un petit stuff quand même, parce que faut pas déconner. J'ai pas envie de crever ici, surtout. Donc voilà, voilà, on continue nos petites recherches fructueuses. Voilà. Aïe. Voilà. Ah, dommage qu'il se trouve sur le côté. Sinon, je l'aurais bien pris. Il m'a fait, m'a foutu la chier, lui. Ah, ça c'est bien. Hop là. Allez, alors j'espère qu'il fait jour là-haut. Bon, normal, de toute façon, on s'en fout, on a de la lumière donc. Il fait nuit, mais ça a poussé. Donc, comme ça a poussé, je dirais pas non. Du coup, nous avons un charcoal qu'on va se mettre là. Qu'on va faire cuire tout ça parce que c'est très intéressant. Alors, on va mettre le reste ici. L'or, on s'en fout pour l'instant, de toute façon. Je vais me garder deux trucs d'eau, deux trucs comme ça. Tac, 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 le machin. Ça, je vais le garder au cas où. Et c'est très important d'avoir du coup du coal. Ça permet de faire des torches. Et du coup, de faire cuire tout ce qu'il faut. C'est quand même beau, hein. C'est vachement beau de loin. Pourquoi les mobs se sont échappés? Comment ils se sont échappés, les mobs? Oh! La beetroot. La beetroot, c'est très, hein, c'est très cool. Ça fait des graines. Voilà. Bon, on commence à obtenir... Cool, un œuf de plus. Je sais pas comment ils ont pu s'échapper, eux. Je sais pas. Parce que... Ouais, quoique, ici... vu que c'est, une, c'est juste une dalle. C'est possible, c'est possible. On va se faire une petite capote sur la tête. Pouf! Voilà. Pouf, pouf, c'est magnifique. On va se faire quand même un petit peu du mouton, un mout-mout. On va se prendre une table portable, hein, c'est cool ça. C'est vachement cool les tables portables. Voilà. Et comme ça, je vais séparer le four. Non, hop. Voilà. Comme ça, on a du mouton. Et sachant que le mouton, ça régène beaucoup plus. Enfin, ça a une meilleure saturation que... Ah oui, c'est vrai. J'ai l'habitude de Factorio. De pouvoir garder tout dans la main. Ah, septième, on se fait un petit froc. Ouais, le froc, il protège plutôt bien, hein. J'ai l'impression que le les armures ont été augmentées. Le taux d'armure en tout cas. Parce que là on est à quasiment full. Ouais.
Avec le plastron, du coup, on sera vraiment full en protection. Donc je pense que ça a été augmenté. Ça doit faire 4 normalement. Ah, il y a 6. Ah, oui, non, c'est une autre jauge de... Ok, là on est en jauge semi-full diams. Ok. C'est bon à savoir ça. Hop, notre petit fer. Ouais, c'est cool, on va avoir du fer en plus. Hop. Donc ça c'est cool. Le charbon au cas où aussi pour des torches. Voilà. Eh ben c'est pas beau tout ça? On va se prendre quand même un petit peu de nourriture. On va se mettre juste ça. Voilà. La hache, on devrait plutôt l'échanger contre une pelle. Parce que on va peut-être en avoir besoin, justement, une pelle en dessous. Voilà. Les deux steaks, tous les steaks, c'est magnifique. Juste en laisse un. Voilà, donc du coup on va descendre. Ah, tranquille. On va redescendre, on va faire ce qu'il faut. Ah tiens, un petit jet dans les gorges. J'ai l'impression d'avoir un mob au-dessus. Ça doit être en dessous. Ah ouais. T'étais où toi? Hein? T'étais caché où? Notre un mob qui est venu de je ne sais où. Alors ici ça va être la partie la plus chiante et quoique. Hello, good morning sir. Hello. Bon bah voilà, hein, au moins c'est fait. Ah bah on était descendu par là. Ah bah c'est cool ça. Ah, nous avons quand même beaucoup de choses. Ah, nous avons du lapis. Notre premier lapis, nous avons même des champignons. Nous avons de l'or. Hop. De l'or, c'est cool. Du lapis encore. À mon avis, il y a encore des mobs juste en dessous, hein, parce que c'est pas possible sinon. C'est vraiment pas possible. Donc, on a descendu par là, on va descendre en mode semi-yolo. Peut-être qu'on a un petit donjon en dessous, hein. Oh, je pense que oui. Ah. Ah, nous avons bien un petit truc. Un stronghold à la fin. Eh oh. Eh oh. Ah, d'accord. Attends, je veux le coffre avant qu'il pète. Oh, Wither Skeleton, Looting Snow Underpearl. Oh. YOLO! 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 Eh, Creeper? C'est bien parce que je me baisse et puis du coup...
Voilà. Eh ben, c'était pas beau tout ça? Quand même. Avoir un petit. Un mini Stronghold aménagé. C'est vraiment aménagé. Ah, le diamant qui nous tend la perche. Eh, c'est quand même pas mal. Avoir un looting, c'est sûr, c'est super cool en fait. Et surtout une tête de Wither. Ça, je ne m'aurais jamais pensé. Ah! Ok. Très bien. Ok. Je pense que les mecs veulent tout de suite qu'on aille. Hein. Ok, très bien, très bien. Tout à fait normal. Donc en fait, ils veulent vraiment qu'on aille dans l'Inde au démarrage. Ok, c'est cool. Bah du coup, nous, on va se laisser là. Je vais récupérer le call ici. Voilà. C'est quand même super cool. Lol. Et du coup, bah, on va se laisser là, tranquillement. Donc, prochain épisode, je ne sais pas quand. Hein. Comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de choses à faire de mon côté. Ah, c'est de l'eau. Et du coup, bah, du coup, je vous donne rendez-vous une fois prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Et rendez-vous la fois prochaine. Voilà. En fait, je ne sais pas trop quoi dire. C'est surtout pour ça. Oh, une poule! Une poule! Une poule qui a pondu un truc. Récolter ça, moi. Eh, la poupoule. Ah, merci. T'es toute gentille, toi. On va te faire des petits nœuds neufs. Voilà. Oh, cool. Codetipper. Oh, magnifique. Codetipper. Bon, elle est conne parce qu'elle s'est tuée dedans, mais. Oh, putain, le bordel que j'ai, moi. Tiens, on va faire tout ça comme ça. Hop. Et ni vu, ni connu. Voilà. Allez, au revoir, Marguerite. Bisous, bisous. Elle en a rien à foutre.